On va retourner en France et là je voudrais vous montrer. En fait, c'est on va écouter, pardon, le chorégraphe Wayne McGregor. Et bon, là je vous ai monté un tout petit extrait. Et il y a d'autres parties dans l'opéra du 17e, 18e siècle et même du 19e. Il y a une partie qui est très très importante qui sont des parties dansées. Et d'ailleurs, on va voir. Un certain nombre d'opéras qu'on appelle des opéras ballets, par exemple, notamment en France. Donc on va parler maintenant de Lully. Donc Lully, vous savez, c'est un musicien d'origine italienne qui devient un... donc il y a une carrière, bon, je des amis, sinon on n'en sort pas, mais c'est quelqu'un qui devient, qui est très intrigant, qui écrit de l'excellente musique, mais qui s'arrange pour obtenir en même temps le pouvoir, c'est-à-dire que pratiquement, il va obtenir d'être le seul en France habilité à présenter des opéras. Donc il va collaborer notamment avec des librettistes comme Molière, par exemple. C'est-à-dire qu'il va travailler avec c'est plus qu'un librettiste, bien entendu. Mais il va travailler en collaboration avec Molière et avec beaucoup d'autres... enfin, surtout un autre écrivain qui s'appelle Quinault et qui va lui écrire des textes, en général, assez... qui présentent plutôt bien à l'opéra, on va dire. Ce qui ne sera pas le cas de Rameau, dont on parlera ensuite. Oui, je vais vous faire donc ce que je voudrais vous montrer dans ce premier extrait d'une œuvre qui s'appelle Cadmus et Hermione. C'est ce qu'on appelle une tragédie lyrique. Donc c'est lui qui invente le genre en France. Et la chose que je voudrais vous montrer, en fait, c'est le décor et c'est la façon de traiter le décor. Parce que dans la mise en scène que je vais vous montrer, il s'agit pratiquement d'une reconstitution d'époque, c'est-à-dire avec des systèmes de décors qui descendent des cintres. Ce sont des décors en une seule dimension, en fait, mais avec le fait d'avoir des cintres les uns derrière les autres permet de faire différents rideaux de décors. Et alors, il y a une chose que le public apprécie énormément à l'opéra et à cette époque-là aussi, c'est le spectaculaire. Donc, je vais vous montrer une scène avec apparition de monstres, donc très appréciée, bien sûr, du public à l'époque et je pense encore aujourd'hui. Thank you.
je vais vous faire entendre un autre Lully, quand même. Il faut, je pense qu'il faut parler un peu de cet opéra qui a compté, en tout cas, dans la mise en scène contemporaine. C'est Attis. Donc, c'est un opéra qui date de 2 ou 3 ans après celui-ci. C'est aussi une tragédie lyrique. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire, elle est un petit peu compliquée. Enfin, grosso modo, le malheureux Attis est amoureux d'une mortelle, mais est aimé d'une déesse. Et bon, ça finit plutôt mal. Mais la déesse envoie un rêve à Attis, et c'est un passage assez rare dans l'opéra de Lully. C'est-à-dire, c'est un passage où, d'une part, on va avoir un ensemble, ce qui est relativement peu fréquent dans l'opéra de cette époque-là. Marquait toujours les S comme ça. Pardon. À la fin de tout, c'était toujours les S. C'est-à-dire que effectivement, il y a la volonté du spectaculaire. Donc le Deus ex machina, c'est toujours ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette volonté de. Ça se passe toujours. Comment dire. Effectivement, il y a des interventions divines. Effectivement, dans cette mise en scène et dans cette interprétation-là, ils ont essayé de retrouver la façon de chanter de l'époque, autant qu'on puisse le savoir, c'est-à-dire autant qu'on puisse reconstituer la façon de parler du XVIIe siècle. Donc ils ont essayé de reconstituer ça. Le principe, de toute façon, de la musique baroque en général, c'est qu'on est obligé de se référer à des écrits. C'est-à-dire que si on veut retrouver la façon d'interpréter les choses, il faut savoir que la musique baroque ne s'écrit pas, ne se joue pas comme elle est écrite. C'est-à-dire, par rapport à nos conventions d'écriture musicale, il y a des choses qui sont sous-entendues. C'est-à-dire que c'est presque un aide-mémoire pour le musicien qui sait que quand il voit tel signe, qui ne veut plus dire la même chose aujourd'hui, par exemple, il doit interpréter d'une certaine façon. Par exemple, Le cas le plus simple à expliquer, c'est que quand vous voyez sur une partition des notes écrites les unes en croche, par exemple, égales, c'est-à-dire qu'on aurait tendance, nous, à chanter un rythme régulier, les gens de cette époque-là ne chantaient jamais un rythme régulier. Un petit peu comme les musiciens de jazz aujourd'hui, on peut écrire une mélodie en croche, ils ne la jouent jamais en croche, ils font toujours un rythme soit ternaire, soit toujours avec un décalage, en fait, ça n'est pas régulier. Ou alors le musicien l'écrit. Quand il veut quelque chose d'irrégulier, il demande à ce que ça soit régulier. Donc ce qui veut dire qu'il y a des traditions et il faut les retrouver. C'est-à-dire qu'il faut étudier dans les textes, dans les écrits, dans les traités, comment s'interprète la musique de l'époque. Alors après, l'interprétation, on en sait, on peut l'imaginer à partir de ces traités. Il reste très peu de traces réelles musicales de l'époque. Il en existe néanmoins. Par exemple, on parlera tout à l'heure de Handel. Il existe des boîtes à musique. Et avec ces boîtes à musique, on a pu reconstituer, par exemple, comprendre comment étaient joués certains rythmes, comment étaient faits certains ornements. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est plus précisément un ornement, notamment avec un opéra de Handel. Je voudrais vous faire entendre un extrait d'Attis. Thank you.
façon qu'on avait à l'époque de présenter sur scène, en fait. À la française, ce qu'on va voir maintenant d'ailleurs, je vais plutôt vous faire entendre de la musique que du chant, mais ce qui m'intéresse c'est la mise en scène. C'est un extrait d'un opéra qui s'appelle Les Paladins. Je pense que Marie-Laure Vaïrena vous en a montré un extrait déjà la semaine dernière. Esprit, bonjour! Venez! Venez!
il y a deux parties, là, des metteurs en scène, ce sont des chorégraphes là encore, et Montalvo et Hervieux, en fait. Et le principe, c'est d'utiliser des danseurs de hip-hop, de mélanger des danseurs de hip-hop. Ouais. Et en fait, la gestique de cette danse-là est très très adaptée à la musique de Rameau. Qui est, là, en l'occurrence, c'est aussi c'est un opéra ballet. Donc c'est, la danse a énormément d'importance. Mais cette danse est très expressive par rapport notamment à cette façon d'ornementer, très caractéristique de la musique baroque. Je disais tout à l'heure que des choses étaient. Que les chanteurs, par exemple, interprétaient des phrases en plus de ce qui était écrit, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez une note fixe et le chanteur termine une phrase au lieu de terminer ta la fait ta ta. Je sais pas comment. Je crois que je l'ai assez mal exprimé. Je suis pas chanteur du tout. Dispose d'un privilège qui dure encore jusqu'au 19e siècle. Je pense que ça dure assez longtemps, cette histoire de ne pas avoir le droit de présenter sur scène une pièce entièrement musicale en dehors de l'Académie, qui est d'abord l'Académie royale de musique. Donc il se passe une chose étrange, c'est qu'en 1752 arrive à Paris une compagnie italienne. Une compagnie italienne qui présente une série d'opéras italiens de l'époque, des opéras qu'on appelle l'opéra bouffe. Jusqu'à présent, on a plutôt regardé des opéras seria, c'est-à-dire des choses sérieuses, plutôt dans le domaine du tragique, sauf le dernier extrait qu'on vient de voir là. Et donc la compagnie arrive avec un opéra qui s'appelle La servante maîtresse de d'un compositeur qui s'appelle Pergolèse. Je vais vous en donner un tout petit extrait. Alors, pour respecter la règle imposé par l'opéra, c'est un opéra à trois personnages, dont un muet. Donc il y a un maître et sa maîtresse, et en fait la maîtresse, enfin pas pardon, sa servante, et la maîtresse prend, la servante prend le pouvoir en fait sur lui. Donc on est totalement dans le domaine de l'opéra bouffe. Donc en voici un tout petit extrait. Malheureusement mon enregistrement n'est pas très très bon, hein, c'est un enregistrement pris à la télévision et mais c'est le seul document que j'ai pu trouver sur ce style de musique. Signorina, signorina.
Finalement, ça va signer la mort de ce style de musique qui était l'opéra, enfin la tragédie lyrique, qui va à peu près disparaître après cette époque-là. Alors il y a un grand débat à cette époque qui s'engage, notamment avec Jean-Jacques Rousseau et d'autres, qui expliquent que de toute façon la langue française n'est pas du tout faite pour le chant, pas du tout faite pour l'opéra. Et il faudra ça va durer 2 ans en fait, cette querelle. Ça va se terminer avec un article de Rameau qui va prendre la défense de l'opéra français. Néanmoins, à partir de ce moment-là, les opéras de Rameau vont être essentiellement des opéras sur le mode de ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est-à-dire plutôt comique. Et il essaiera encore une dernière tragédie lyrique qui, en fait, ne sera jamais, on commencera les répétitions juste avant sa mort, elle ne sera jamais donnée de son vivant. Je voudrais vous montrer maintenant ce qui se passe dans l'opéra italien. Et je vais choisir pour ça un compositeur allemand qui vit en Angleterre. Il s'agit de Handel. Et je vais vous passer un extrait de Jules César, de Handel. Ce qui est intéressant dans l'air que je vais vous montrer, c'est que ça va mettre en évidence cette façon de chanter. D'une part, c'était probablement un air qui était destiné à un castra. D'autre part, ce qui est intéressant, c'est la forme de l'air. C'est-à-dire que l'air est d'abord exposé, là on va entendre un air du personnage Jules César, qui est chanté par une voix aiguë d'ailleurs, vous verrez. L'air est d'abord exposé pratiquement tel qu'il est écrit, et ensuite il y a ce qu'on appelle un da capo, c'est-à-dire qu'il y a une reprise très ornée. C'est-à-dire que le chanteur ajoute des ornements à la musique. Faire en sorte qu'on comprenne l'action de l'opéra. C'est-à-dire qu'il y a un passage qu'on appelle récitatif,
accompagné d'un simple clavecin, pendant lequel la connexion avance. Et ensuite, on va avoir ce qu'on appelle un nègre, mais c'est le moment où la personne exprime des sentiments et où la musique peut prendre davantage en la conscience.
vous voulez intervenir, bien sûr, ne vous en privez pas. Hein, si, ce que je voudrais vous faire entendre d'ailleurs une chose. Là, je vais juste parler de chant une toute petite minute. Je voudrais vous faire entendre un air de Vivaldi pour vous montrer qu'en Italie, quelquefois, l'écriture vocale est complètement inspirée par une écriture instrumentale. C'est-à-dire que Vivaldi écrit pour la voix comme il écrit pour le violon un air de virtuosité qui était là encore destiné à un castra. C'est-à-dire qu'il y a des changements de registre. Le castra, ce qui en faisait la caractéristique, c'est que comme c'était donc un homme qui n'avait pas mué, en fait, il avait la faculté d'avoir des sons graves, et à la fois des sons graves et des sons aigus, et d'avoir en plus une puissance que n'avaient probablement pas les femmes. Donc je vais vous faire entendre un air de Vivaldi, donc là il n'y a pas d'image. Alors ça, c'est un enregistrement que j'ai pris sur Internet. Donc le... Allez, allez. C'est un extrait d'un opéra qui s'appelle La Griselda. Ce n'est pas un Français, c'est Gluck, c'est un musicien donc, allemand.